gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Somme séant, ouais, voici Captain Fleur de ce plus qu'une surnom de champion, même si on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Clash of Clans, spécial Saint-Jean, parce que oui, nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2021. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Jean à tous, puis là que je l'ai, ok, ça va bien. Je l'avais pas, mais là, bon, là j'ai enlevé, là, ça commence bien une vidéo, hein. On va voir là, ok. Ah. Alors, je vous souhaite une bonne saison à tous, ce qui est première des choses. Aujourd'hui, bien sûr, on va attaquer le village secondaire, ainsi que le village principal aussi, un tout petit peu, un combat, bien sûr. Ah, ça vous appelle, non, pas pantoute. Cherche fois ressources ou, hôtel de ville abandonné. Soin 1, soin autre. Si les deux, tant mieux. Mais ça me surprendrait depuis. Depuis un petit bout, là. Il est plutôt bien, bien l'hôtel de ville abandonné. Depuis. Plus tant que ça. Comme avant. Bah, c'est ça qu'ils ont. Il y a une mise à jour qui ont fait en sorte qu'il y ait plus de ressources dans l'hôtel de ville. Puis c'est ça qui a fait en sorte que. Tout le monde ont rentré leur hôtel de ville dans au centre, là, les protéger davantage. Ils nous ont laissé à l'abandon comme beaucoup faisaient. Non. Sinon, j'ai des nouvelles à vous dire, tout ça. À part de la Saint-Jean, que les Canadiens jouent à soir, bien évidemment. Donc j'espère qu'ils vont gagner, ça serait pas le fun, rien qu'un peu qu'ils gagnent en 6. Donc c'est pas qui va jouer s'ils gagnent, là. C'est sûr, s'ils gagnent aujourd'hui, ça va être une journée historique. Parce que c'est la Saint-Jean. On gagne à Saint-Jean pour aller en finale de la Coupe Stanley. Ah, oh, ça va être le fun, ça. Ça va être le fun. Ah, ça fait si longtemps qu'on s'est pas rendu là. Quand on dit que on a un espoir potentiel d'avoir la Coupe Stanley, c'est incroyable. On s'entend que les arbitres là, ils sont bien beaux avoir été contre nous, ça va créer tout ça, ça va pas empêcher de potentiellement les vaincre. C'est 200 000, non, trop protégé. Et je vous le dis, c'est. Oh, quelques millions. C'est rendu que du million de ressources, c'est fou maintenant. C'était impensable dans le temps. C'est fou comment ça a changé depuis longtemps. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était 8 millions maximum. Maintenant, on peut aller jusqu'à 20 millions avec l'hôtel de ville de niveau 14. Si on suis préféré 14, oui, je voudrais aller là, mais je suis pas pressé, on dirait, d'aller à cet hôtel de ville-là. Je fais des pêcheurs, mais finalement. La seule chose que d'intéressant, c'est les animaux. Bon, c'est la seule chose que de plus d'ailleurs. Solo, c'est la seule chose que de plus d'ailleurs. Moi, je souhaite que les Canadiens gagnent. Alors que vous l'écoutez peut-être probablement, ce soit avant le match, bien sûr. Mais peut-être qu'il y en a qui vont voir que peut-être que les Canadiens auront gagné. Hey, ça serait-tu pas le fun, une 25e Coupe Stanley à Montréal? Ah, ça serait le fun. Ah,
sinon, il y a ça, c'est sûr que le monde va écouter le hockey au lieu de la Saint, le spectacle de la Saint-Jean, parce que le hockey est plus important que la Saint-Jean. Tout le monde le sait que le hockey est plus important que la Saint-Jean. Pourquoi qu'ils ont pas pensé que le 24 Saint-Jean? C'est un mal pour un bien. C'est d'une certaine façon, c'est bon. D'une certaine façon, ça aurait été préférable de l'emmener. D'une façon que c'est bon parce que c'est si on gagne à Saint-Jean, ça va être incroyable. En même temps, ça aurait été bien mieux que ça aurait été une journée plus tard. Parce qu'ils jouent à Montréal en plus. Ça serait tellement incroyable. On gagne à Montréal, à la Saint-Jean, pour la finale. Oh, que ça... Il n'y aurait rien de plus incroyable que ça. Ce serait encore plus fou que fou. Ok, moi je t'en ai de chercher. Faut que je attaque quelque chose sur mon village là. Ou. Non, il n'y a pas de Cooper. Bon, je viens de décider ici. Non, il n'y a pas de Cooper. C'est ça. De toute façon, ça aurait rien à donner parce que là, j'attaque. Je vais faire une semi-attaque complète. Quand je parle de semi-attaque complète, ça veut dire. Je vais attaquer. Puis quand que tout ça qui va. Ça va être fini. Et de ramasser. Je déploie mes troupes pour le fun. Ce que je veux bien vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bon, tour de l'enfer. Ah, j'en utilise un pour ça. Ok. Ça, je vais utiliser. Ok. Dommage. Combien que j'ai ramassé? Ah! Quand même! 600 000! Ah, oh, ça c'est bon ça! Ah, ça c'est parfait ça! Ouais, faut que je mette à jour mes affaires. Tempo. Faites un fake fou, je pense que c'est un tempo. J'attaque plus ou moins, pour être honnête avec vous. J'attaque plus ou moins. J'ai eu c'est avant le total de Vinicator, j'augmentais pour ça, ça a descendu. Descendu là. Mais j'attaque un peu de temps en temps. Je suis plus sur le second village, pour être honnête. Uh-huh.
de Cure. Tiens, pas ça même. Ça pour vous, j'ai. Oui, j'ai. Hein. Mais oui, j'ai. Là, en ce moment, je retourne à l'ancienne méthode parce que. Je sais pas où j'ai mis mon fil de. Faux chargeur! Parce qu'il faut mon chargeur, parce que j'utilise mon. Mon iPad pour enregistrer pour Clash of Clans littéralement là. Parce que bon 100% c'est pas payé parce que avec mon celui-là je peux pas j'ai pas un S j'ai un A faut un S pour pouvoir diffuser ça je suis là. C'est pas ça qui m'énerve là, j'ai le fil, mais ça ne tente pas de changer celui-là, même si je peux changer celui-là, ça tente pas. C'est plutôt ça la question. Un beau 100%. Ça. Que je trouve le fil, c'est tout. Puis pour remédier à ça, vu que je veux absolument faire mes vidéos, j'utilise mon cinéma. Faut juste que j'ajoute de la musique par rapport. Je sais pas si j'en ai parlé, mais une nouvelle série va voir le jour cet été. Ah ouais. Cet été, il va y avoir une nouvelle série qui n'est pas du jeu. Pas en tout. Même par rapport à des jeux. Ça me tente de faire jouer cette série-là, tout simplement. Mais par contre, une autre nouvelle à vous annoncer. J'ai commencé, bon, à peine. Commencé. Un nouveau jeu que je commence à développer. Je vous en dis pas de ben. C'est un jeu qui va être fait sur RPG Maker MZ. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai gratuitement en ce moment jusqu'au 1er août. Mais sur un jeu, je m'en fous complètement. Ok, je vais vous en parler. Par contre, pour ça, là, j'ai. Tente pas d'acheter le MZ pour se limite s'il faut que je refasse le jeu dans MV, je vais le faire pratiquement. Parce que ça m'intéresse pas, pour être honnête avec vous, ça ne m'intéresse pas en tout de transférer. Si exemple ça aurait été compatible, le MV puis le MZ aurait été compatible. Pas de problème, j'aurais peut-être acheté le MZ. Puis désinstaller le. Tout transférer. VAMZ sans problème. Bon, pas grave ça. Pour la peu de fonctionnalité que ça m'offre de plus. Non. Ce qui est quasiment de plus, là, vous voulez savoir c'est quoi la MV puis MZ? C'est les couches niveau graphisme. C'est tout. Et rien d'autre. Ben plus. Niveau déploiement, Windows, macOS, navigateur, internet, Android, iOS. Pas grand chose de plus. Ah, oh, c'est bon.
Le seul chose vraiment que j'ai remarqué qu'il y a de plus, c'est ça, c'est les couches. Sinon, y a-tu vraiment des choses de bien, bien plus intéressant qui nous pousse, me pousserait à l'acheter? Non. À la limite, il faut que je recommence le jeu au complet. Peut-être que je le ferai, pour vrai. Pas hyper fort parce que ça me tente pas de recommencer celui-là, mais l'autre peut-être. Tout dépendant de la grosseur que ça va avoir. Dans le fond, je m'explique. Si vous vous demandez pourquoi un nouveau jeu, tout ça, puis j'ai commencé quand? Bah, pas plus tard que le 20... Pas plus tard que cette semaine. Pas plus que ça. La raison à laquelle c'est que, comme vous savez toutes, vous connaissez tout Steam, tout ça, et comme vous savez toutes, ils nous présentent des affaires, des jeux, tout ça, des nouvelles, on vous présente ça ainsi. Et... Akira. Et à mon avis, on voyait ça, j'ai vu ça, c'est Toucher les étoiles RPG Maker MZ. Bon, c'est quoi ça? Plus d'informations, je veux voir ça. Hein? Un concours? Ok. Tu sais, j'ai participé à un Game Jam en 2019 qui a donné naissance, dont j'ai développé un jeu en un mois, donc ça a donné naissance à. Adrien Memcel, sous le thème de saut illimite. Au secours. Je vais te dire. Le thème n'a pas été évident. Oh. Saut illimite. Qu'est-ce que tu veux faire comme jeu avec saut illimite? À part des sauts, tout ça, c'était. Disons, c'est. Oui, ça nous laissait large. Place à la créativité. Mais c'est pas au niveau créativité le problème, c'est au niveau idée. Puis disons que j'ai pas extrêmement autant d'affaires. C'est pas aussi facile que celle-là. Puis qu'il y a de l'autre aussi que j'ai voulu participer, qui c'était c'est par rapport à l'espace. À l'image, je m'en souviens même plus. C'est quoi tout le thème? Sur l'image, m'a tellement marqué. L'autre, c'était par rapport à l'espace. C'est juste que j'avais une idée, mais c'est juste qu'il était pas possible sur RPG Maker. Ça, j'ai abandonné. Mais celle-là, ce concours-là, c'est exclusivement sur RPG Maker MZ. Ce qui est basé, c'est le. Je suis obligé. Sous le thème de. Toucher les étoiles. Combien de jeux d'étoiles, peut-être d'espace qu'il va y avoir? C'est fou. Qui vont utiliser le thème concrètement, toucher les étoiles en étant dans l'espace. Ouais, ça c'est sûr qu'il va y en avoir plein de ça. Sachez que les conditions, je vais vous avertir tout de suite, par rapport au règlement de ce concours, le jeu doit être en anglais. Il ne peut pas être, il peut être en français, mais il faut que ce soit par défaut en anglais. J'ai comme pas le choix de le faire en anglais rendu vidéo, hein? Qu'en pensez-vous? Oui, ça va être pas mal traduit avec Google Traduction. Ça va être pas mal ça. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ceci. J'ai comme pas le choix de le mettre en anglais, puis oui. Vu que moi je suis pas bon en anglais, comme vous savez très bien, c'est que je me suis depuis longtemps, tout ça. Moi et l'anglais, ça fait deux.
Mais que votre action. Ça va être ça. Qui voulez-vous? Mais il va être disponible en France. Inquiétez-vous pas pour ça. S'il est pas disponible en français à ce moment-là, il va être disponible en français éventuellement. Ça, je vous garantis. Il va l'être en français. J'ai l'histoire. Ben dans le fond, un autre critère, c'est simple, c'est faut que ça dure entre 20 minutes et 1 heure. Quand je dis 20 minutes et 1 heure, c'est minimum 20 minutes, mais ça peut durer 5-6 heures. C'est pas ça le problème, même si le juge... Parce que oui, il y a des juges qui vont évaluer les jeux, qui vont toutes les essayer, aussi fou que ça. Au moins, il n'y aura pas de problème de téléchargement. Autant avec vous, moi, il n'y pas ce problème là. C'est le même moteur de jeu. Puis on le jeu par défaut, les autres. Pour bon, ça, c'est pas un problème. Mais probablement, ça, c'est une promotion de RPG Maker, d'équipe de RPG Maker, hein, concrètement. Pour... Ça, c'est sûr, certain là, que c'est RPG Maker qui font ce concours-là pour promouvoir cette logiciel. Malheureusement, il est toujours aussi limité. RPG Maker, elle me dit. Mais par contre, l'avantage, c'est que les gratuits, je vais tout pogner ces musiques, je vais toutes les emmener sur les autres versions VX As ainsi que MV. Par contre, qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que. MZ et MV, c'est la même grosseur d'image et tout le kit, t'as pas grand chose de différent, mais ils sont pas compatibles. Ça, je trouve ça dommage. Ça, c'est ma critique par rapport à ceci. Oui, c'est très limité, mais ça, j'étais déjà conscient. Mais par rapport à compatibilité, je trouve ça très, mais très dommage. Musique intéressante, il y a même la musique du début. Oui. Je vais l'utiliser concrètement. Je changerai même pas absolument, je change. Non, qu'est-ce que je veux, je changerai même pas. Parce qu'il est même correct pour moi. Dans le fond, c'est comme je vous disais, c'est ils évaluent une heure de jeu. C'est 20 minutes minimum, mais ils évaluent un maximum de 1 heure. Ça dure 45 minutes, c'est correct. Je vise à peu près ça. Un jeu de 45 minutes. Là. Oui, j'ai l'idée de ça. Autrement, c'est aux limites, bien sûr. Donc, ça a pris une semaine et demie avant de commencer. Puis je me suis dit, bon, je vais commencer à voir. Je vais commencer à faire du poids, là, sinon je ferai jamais. Ou que ce soit, je vais voir ça en temps et lieu, puis c'est la meilleure chose que j'ai faite d'une certaine façon. Celle-là, j'ai pas à attendre, j'ai déjà une idée, j'ai déjà commencé concrètement l'histoire un peu. En tout cas, donne-moi l'hôtel de ville, là, tout. Fais-moi pas le tour des remparts. Ouais, parfait. Merci. Je vais avoir quand même mon 2 étoiles, puis 61-62%. Mais c'est ça, je vous annonce qu'il va y avoir un mois et demi, deux mois, d'ici septembre, du moins. Fin août, début septembre, un nouveau jeu va avoir le jour. Si vous voulez l'avoir, dont je vais annoncer, bien sûr, et tout le kit. Il va être disponible moi, fin juillet, début août. C'est simple, avant pour le 21 juillet. Jusqu'au 21 juillet pour soumettre mon jeu. En anglais, bien sûr.
Tous ces efforts ont servi en vain. Pas grâce. Mais c'est ça. Au moins, je vous mets au courant de ceci. Là, qu'est-ce qui est pas pire, c'est que les gars, ce que je gagne, si je gagne tant mieux, si je gagne pas, pas plus grave que ça. Mais les gagnants ont le droit, ils vont pouvoir avoir le jeu sur Steam. Littéralement sur Steam. Ça, j'aimerais ça par contre. J'aimerais énormément ça. Avoir comme ça. Par contre, qu'est-ce que j'ai remis en question là, en ce moment, c'est. Je suis parti! Quand je dis je suis parti, c'est. Ben, on me donne pas le choix, je pars en affaire tout de suite. Littéralement, là, c'est, j'aurais pas le choix. Là, ça va être. J'aurais comme pas le choix, là, de y aller de l'avant avec ça. Je vais sortir. Adrien MC. Je vais mettre Adrien MC aussi sur. Steam. Adrien Memcel, les mises à jour et le contenu en règle générale est terminé. Au pire. C'est la dernière seconde. Pour faire ça, il faut que ça avoir un 100% à la dernière seconde pour faire ça. Des fois, je faisais exprès de faire ça. Mais ça arrivait pas. Là, c'est pas voulu, là, celle-là. Oh! Oh waouh! J'aurais eu la contrainte de temps. Si lui aurait eu 100%. Oh mon dieu, que ça a été serré! Oh! Il y a eu 98%! Si j'avais pas 100%, c'était une défaite assurée! Oh! Mais vu que j'ai eu 100%, c'est. Y a-tu pas été frustré à personne? Le monde. Je suis sûr, certain à 100% que. Quand il y a eu ça. Hein? Non, j'ai perdu! Il y a eu 100%! J'ai perdu 2%! Il avait été frustré! Oh! Ça, c'est des belles victoires! Ça, là! Cette victoire-là, en plus d'avoir une belle finale, c'est une très belle victoire. Oh, wow, pour la Saint-Jean. Ça finit bien la dernière combo pour la Saint-Jean. Oh, wow. Oh, j'arrive pas à y croire. Victoire, parfait. Détruire les bâtiments. Tout d'un coup! Faudrait que je me force plus pour avoir ça, pour avoir de l'argent. Là, j'ai 2,5 millions. 4, 5, 6, je pense que 6 millions. Ah ouais, on a eu des nouvelles troupes que lui avait de. Que je vais avoir là. Et voilà le chevaucheur de dragon mécanique bien sûr que je vais essayer de débloquer éventuellement qui va être débloqué. J'ai autre chose, 6 millions. Moi je vais attendre, je vais l'économiser un peu. J'ai maximum 6 jours pour le colis. C'est pour ça qu'il rentre dans la mise à point. Là-dedans. Ah, je m'attendais pas à cette
Victoire accablante. Ah, waouh. Bon, moi j'ai pas de problème d'image au moins avec en enregistrant de cette façon là. C'est ça, c'est plus de travail parce que moi faut que je transfère directement dans un temps. Après ça, là je le monte. Même plus en plus. Puis plus de travail aussi parce qu'il faut que je rajoute la musique. Bon, comme vous avez pu entendre la musique de Little Night, mais je mets un peu de musique. Ouais, dont une musique à droit d'auteur que je m'en foutais un peu. Mais pour vrai, comme je disais, il y a une nouvelle série qui va voir le jour au courant de l'été. Quand je vais me décider de commencer, bien sûr. Un nouveau jeu qui va voir le jour cet été. Concrètement. Soyez indulgents. C'est fait en un mois. Par contre, celle-là, ça va, je vais voir comment que ça va avancer. Probablement que si je le poursuis, je vais le refaire au complet, bien sûr. Je vous avertis tout de suite. Si je le poursuis, ce jeu, puis que je fais une mise à jour, il va être... Si je vois que je vais condenser ça, littéralement, ça se peut que je rallonge le jeu. Je vais voir comment ça va se dérouler. J'ai le début du jeu concrètement. Après ça, je sais pas. Je vous dis pas le genre. C'est quoi? Je vous dis juste c'est RPG Maker. Je vous dis pas si oui ou non il y a un système de combat. Ah oui! Vous avez déjà parlé d'un jeu qui va sortir éventuellement. L'annonce, c'est juste moi qui tarde un peu à le faire. Là. Ouais, ça c'est la paresse. Puis à cause que je travaille, puis ça me tombe plus ou moins. Puis il y a un paquet d'affaires. Là. Ouais. Ce jeu-là. Était presque fini. Il restait juste une petite scène justement, mais je pense que ce que je vais faire un pas rien qu'un ajustement. Je vais refaire le système de combo complet. Il restait juste une petite ajustement, une vérification pour voir si le système de combo est correct. Mais là, non, je vais changer complètement le système de combo. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais éventuellement, il faut juste que je fasse la musique. Va se faire vite, là. Je vais être honnête avec vous. D'ailleurs, va se faire vite la musique pour l'annonce. Je vais le faire par moi. Je vais le faire. Il est déjà composé en partie. Il va y avoir Adrien Mpsel, il va y avoir une annonce qu'il va y avoir aussi. Adrien, puis le second jeu que faut que je revoie dans le système de combat. Oui, il va y avoir un combo va être mieux qu'Adrien. Adrien, vu que ça a été fait en un mois justement, je me suis pas cassé la tête pour le système de combat, s'entendre. C'est ça. Puis Adrien, le système de combat ne changera pas. Ma façon de penser pour cela, me dit, si vous voulez vous amuser pour faire du speedrun, allez-y. Parce que moi, à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me pratiquer beaucoup plus, là, me remettre dedans, puis... Et je vais faire le speedrun de mon jeu. Parce que c'est quand même moi qui l'ai fait, moi je connais tout le jeu par cœur. Mais la version originale ou la version... Ouais, ça va être peut-être la version originale et non la version les mises à jour, parce que la mise à jour se comprend un ajustement de l'histoire et un autre affaire. Ouais, une autre affaire, mais ça je vous en dirai pas plus pour l'instant. Je vais vous en dire plus
là, quand la mise à jour va sortir. Puis aussi une correction de faute d'orthographe. Ouais. Ouais. Ça va être pour Adrien. L'autre jeu, faut que je aussi que je fasse la correction des fautes. Puis tout l'ajustement de le nouveau système de combat qui va être qui nous c'est mon combat qui est similaire là. À la version précédente, mais c'est juste je vais faire un petit ajustement. Bon, c'est pas un refaire le système de combat en soi, là. Le système de combat reste le même là. Mais c'est juste un ajustement en lien avec le système de combat. Avec le combat. Vous allez tout voir ça en temps et lieu de toute façon. Inquiétez-vous pas pour ça. Mais avant que sorte ce jeu-là, je vais me prioriser sur le nouveau jeu que je vais commencer, que j'ai un mois à faire. Parce que ça vaut la peine pour moi. Même si je gagne pas quoi que ce soit, je rends ça, c'est pas plus grave que ça. Au but. J'aimerais ça gagner, je suis pas le contraire, mais mon but n'est pas de gagner, c'est de faire un jeu. Puis me dire aussi que j'ai assez de contenu pour pouvoir éventuellement partir en affaires quand je vais partir en affaires. Parce que si vous êtes au courant, oui, je vais partir en affaires éventuellement, mais je suis en questionnement qu'est-ce que je fais quand que je pars, est-ce que je continue. J'attends après l'été pour me prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à travailler encore? Puis je développe un autre jeu sur qui n'est pas sur RPG Maker, bien sûr. Tout de suite, l'idée du jeu que... j'ai eu une idée de jeu, mais qui n'est pas... que je vais faire qui ne sera pas sur RPG Maker, dans le fond. Bout que je lis, cette idée là. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas en dire plus d'ailleurs. Je vais être honnête. Développeur de jeu, c'est bien le fun et tout le kit, mais ce qui est plat, surtout quand t'es youtubeur, tu veux en dire, mais tu veux, faut pas t'en dire trop pour garder les secrets. Je suis capable, c'est pas que je suis pas capable. Foyer, je dis des choses sans dire quoi que ce soit depuis longtemps sur ma chaîne. Comme un secret bien gardé que très peu de monde connaissent sur ma chaîne. Mais c'est quoi le secret? Ah, good, ça fait longtemps! Le secret. Si je vous dis, ce n'est plus un secret. Ah bon? Ça va rester long, ça va. Ah oui, il y a une autre affaire aussi. Je vais être honnête avec vous, ok? Le cricket, il a jamais été abandonné en passant. C'est juste que ce que je veux faire, c'est que je veux faire un audio préfet. C'est sûr que ça va me... ça va débalancer autrement, mais je vais le faire à un moment donné, là. Un audio préfet, donc je vais juste le pogner, mettre ça, puis voilà, en début de vidéo, tout ça. Ça va être juste un audio, là, en passant. Qui va inclure le cricket, comme ça, j'aurai pas à gosser à chaque fois. Puis il va inclure ma présentation habituelle avec le cricket en plus. C'est juste la paresse là, ça ne tente pas de le faire en ce moment. Tout simplement, je vais être honnête avec vous. Il va revenir. Inquiétez-vous pas, le cricket, c'est ma chaîne. C'est juste que. Je sais même. Hey, il est rendu où mon audio de cricket? Ah, je pense que je sais où, mais ça fait tellement longtemps que je pense. Même sous le dos du criquet. Où qui était? T'as pas d'allure, mon affaire! Ah, pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette aventure, que vous avez appris quelques petites affaires, même si je n'ai pas dit grand chose, même si j'en ai dit pas mal. J'en ai dit pas mal sans dire quoi que ce soit. Ouais.
Vous êtes venu en commentaire quel genre ça va être, action, aventure, comédie ou autre. Vous laisse genre de vos commentaires s'il y en a bien sûr. Bien sûr, éventuellement au courant de l'été, comme à chaque année, il va y avoir une vidéo en tant que telle qui va être posée moi vos questions, qui va être répondue pour le 6 octobre, soit la fête de la chaîne, là, cette affaire. Peu du tout une date quand vous voulez un peu approximatif, de toute façon, c'est pas une vidéo qui va être longue. Ok, je vais arrêter là, sinon la vidéo va durer une heure. À peu près ça. Oublie pas, il y aura pas de coupeur là, du tout dans cette vidéo là, ça va être brr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